Madame, Monsieur, bonsoir. Patrick Serrano, toujours avec moi. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Face à nous ce soir, un invité jeune, dynamique, mathématicien, informaticien. Il faut tout simplement dire que c'est un homme donc pétri d'intelligence que nous allons recevoir dans cette émission, mais c'est un féru aussi d'associations puisqu'il fait partie de plusieurs associations qui militent pour la sauvegarde pratiquement de la langue fang. On va tout de suite donc vous présenter notre invité à travers cette fiche biographique. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette présentation sommaire? Oui, votre présentation sommaire est juste. Et comme vous l'avez constaté, et les téléspectateurs s'en sont aperçus, je suis membre de plusieurs associations. Il conviendrait, afin qu'ils se fassent une idée plus précise de l'invité que vous avez sur le plateau ce soir, que j'apporte quelques détails, notamment le rôle que je joue dans ces différentes associations. Je suis effectivement le secrétaire général de l'association culturelle Fondation Mebe, dirigée par Tira Obiango Marcelin. Et cette association se donne pour mission non seulement de conserver nos traditions et notre patrimoine oral, mais également de revaloriser cela auprès d'une jeunesse en perte de repères. Et nous utilisons des outils distrayants, pédagogiques, comme la bande dessinée, Alum Dominko, et d'autres bandes dessinées suivront. Alors, je suis également un responsable dans le lobby citoyen à Kamayon, au Bangamekan. Nous sommes en train d'officialiser au niveau des services du ministère de l'Intérieur parce que nous voulons avoir une personne morale qui va se constituer partie civile auprès des autres personnes physiques qui ont porté plainte contre Michel Ogandaga, ce conseiller en communication du président de la République qui a tenu en début d'année des propos innommables, ignobles, et que nous avons fermement condamnés. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur ce point. Je suis aussi secrétaire général de l'association sous-régionale transfrontalière Elarayon et Caen, qui est basée au Cameroun, à Yaoundé précisément, et qui est donc de droit camerounais. Et cette association se donne pour mission de réunir à intervalles de temps réguliers les différents écans de la sous-région dans le cadre d'un festival culturel au cours duquel les fils écans pourront donc magnifier leur culture et donc montrer à leurs enfants en fait d'où ils viennent, quelles sont leurs origines. Et pour préciser, je veux juste dire que quand on parle du peuple écan, il s'agit en fait de ce peuple qu'on appelle à tort, malheureusement, mais souvent Paouin ou Fambeti Boulou. Et ce peuple est réparti dans 6 pays de la région d'Afrique centrale. Si nous hésitons, nous dirons le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, la Centrafrique, le Cameroun et Sao Tomé et Principe. Enfin, pour pouvoir cette série de précisions, je suis également le secrétaire général du bureau provisoire du CRAN Gabon, qui est une ONG affiliée au CRAN France. Le CRAN France est le conseil représentatif des associations noires de France, donc une sorte de fédération associative qui milite pour la défense des intérêts des minorités visibles, notamment la minorité afro-caribéenne. Voilà des précisions que je voulais juste apporter afin que les téléspectateurs qui nous regardent se fasse une opinion un peu plus précise de moi. Et on espère que cette opinion, ces téléspectateurs l'ont déjà. Et avec vous, on va aborder plusieurs aspects. Cette envie de vouloir faire la promotion de la culture écan, on va en parler. On va parler de cette plainte contre Michel Ogandaga que vous avez portée il y a quelques semaines de cela pour des propos que vous avez jugés déplacés, poussant
à la haine, à la déstabilisation du pays. On va aussi parler de ce qui fait l'actualité, puisqu'on ne peut ne pas y arriver. On va aussi parler de ce livre de Pierre Payan, Nouvelle affaire africaine, mensonges et pillages au Gabon. On aura également votre point de vue et pourquoi pas aller voir ce qui se passe aujourd'hui à Ouagadougou, au Burkina Faso, avec le peuple qui décide de faire partir son président. Voilà donc les aspects qu'on aura abordés, Patrick, puisque notre invité est un féru d'association. Peut-être une question par rapport à ce pan-là. Voilà, avant d'aborder effectivement le pan culturel de cette émission, juste une toute petite question pour qui pourrait peut-être faire rigoler, mais essentielle quand même. Alors, ainsi énuméré, votre cursus scolaire universitaire, vous êtes sûr que c'est vérifiable? Rassurez les téléspectateurs. Je demande simplement à ceux qui le souhaitent de se rapprocher de l'Université des sciences et techniques du Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, l'Université des sciences et techniques dans la ville de Montpellier. Ils vont se rendre compte que j'ai effectivement mes différents diplômes, 3e cycle en mathématiques et informatique. Voilà, c'est peut-être pas gênant de vous la poser, cette question, du fait qu'aujourd'hui, tout le monde est astreint, finalement, à démontrer par où il est passé pour mieux comprendre la place que l'on peut occuper aujourd'hui, demain ou après-demain. Justement, sur le volet purement associatif, on se rend bien compte que c'était un projet important, mais qui bute quand même dans l'implantation. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Il y a pour l'instant une sorte de tropisme autour de la réalité occidentale. Les Gabonais ont été colonisés par les Français et au cours de la colonisation, il y a eu un travail de sape, un travail de destruction qui avait pour but de faire disparaître en fait notre réalité ontologique africaine pour la remplacer par cette assimilation française qui devait nous faire dire que nous étions des descendants des Gaulois, peut-être même des Vikings, qui sait. Et donc, quand aujourd'hui vous essayez de faire remonter à la surface ces valeurs qui sont des richesses et qui ont été enfouies par la colonisation, il est encore assez difficile que tout le monde suive le pas. Trop, pour l'instant, occupé à marcher selon ce qui a été mis en place par les Français. Mais nous ne désespérons pas, car la stratégie que nous avons mis en œuvre porte d'abord sur les enfants, sur une génération. Et c'est peut-être cette génération-là, si nous réussissons à la nourrir avec les bandes dessinées, avec les dessins animés, sur notre propre culture, sur nos propres référents, qui pourra demain relever la tête et être fier de sa culture. Voilà, être fier de sa culture. Évidemment, le 21e siècle appelle les communautés du monde à pouvoir à repartir aux sources. Pensez-vous que cela soit réellement possible, étant entendu que dans toutes les communautés du monde également, on pointe l'Occident du doigt? Qu'avez-vous fait, sinon, qu'avons-nous fait pour préserver ces valeurs? Il est vrai que devant la vague de mondialisation, il y a une réalité qui va s'imposer, une sorte de civilisation planétaire à laquelle nous sommes tous appelés à partager et à apprécier les valeurs. Mais dans, justement, ce partage commun civilisationnel, il importe que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Moi, je me sens équant si demain, au cours d'une conférence internationale, on me demande d'apporter ma contribution à l'érection d'une civilisation universelle, quelles sont les valeurs que je pose sur la table qui seront différentes des valeurs d'un Français ou d'un Chinois? Je dois pouvoir dire que dans nos cultures et quand, voilà ce qui avait de l'importance à nos yeux et que nous avons l'intention de préserver. À partir de cet instant, chaque citoyen du monde pourra s'approprier ces valeurs qui pourront devenir universelles et ces valeurs d'universalité seront partagées par l'ensemble des habitants de la planète. Il nous faut pourtant mettre ces valeurs sur la table, sinon elles vont disparaître et nous allons entrer dans une sorte de monolithisme culturel qui sera essentiellement d'obédience occidentale. Je crois que c'est à craindre. Alors, 1947, dans la ville de Mizik, cela vous rappelle quelque chose? Vous allez le dire aux téléspectateurs. Pensez-vous que ce genre de regroupement puisse encore avoir lieu au moment où, effectivement, le combat pour
le maintien de ces valeurs est encore beaucoup plus fort et que aujourd'hui vous avez beaucoup plus d'outils pour aller plus loin. 1947 nous rappelle le congrès de Mimbong, je ne veux pas dire le congrès de Minzik, car il s'est exactement passé à Mimbong. C'était, je pense, du 26 au 28 février 1947. Et c'était finalement le dernier d'une longue série de rencontres qui avait débuté lorsque le peuple Ekan a entrepris son périple de quitter son foyer originel, que nous situons grossièrement dans la zone soudano-nilotique, donc dans la zone égyptienne, et qui a décidé donc de se rendre sur la zone de la région du Golfe de Guinée, donc d'Afrique centrale. Donc à chaque fois que nous évoluons, nous avions besoin de nous retrouver pour faire le point sur la question. Et donc aujourd'hui, il est encore possible de relever ce défi. Parce qu'en 1947, il se posait une problématique à la fois culturelle et politique. Culturelle, les Ekans n'ont jamais accepté la colonisation, n'ont jamais accepté les valeurs qu'on leur imposait, que l'administration allemande, espagnole ou française imposait. Ils ont décidé donc de se retrouver pour dire nous voulons réaffirmer ces valeurs, nous n'acceptons pas ces chefferies qui ne correspondent pas à nos traditions. La deuxième chose, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui s'est achevée en 1945 et au cours desquelles certains Ekans, à côté d'autres Africains, ont payé le lourd tribut. Ils estimaient qu'il était temps qu'on leur renvoie l'ascenseur en leur donnant la possibilité d'être libres et indépendants. Donc en 1947, soit pratiquement 7 ans, si je fais le calcul, 13 ans après, nous avons eu les indépendances. Donc ça veut dire qu'il y a toujours eu cette ambition de maîtriser le destin. Peut-on encore à nouveau repartir dans ce genre de dynamique, je crois que oui. La problématique ici ne sera plus politique, c'est vrai, les États sont créés, mais elle doit être culturelle. C'est quand nous allons nous retrouver, nous réunir, que nous allons pouvoir magnifier une culture et récupérer donc les traditions qui aujourd'hui se trouvent en Guinée équatoriale, au Cameroun, au Gabon et dans les autres pays, dans ces régions que j'ai citées. Alors, il se pose également un problème. Cela nous amène à penser effectivement à ce problème de mentalité. Si l'on tient compte du contexte Gabon, où effectivement chaque regroupement communautaire est considéré comme un repli identitaire. Alors la question du repli identitaire peut être appréciée sous un angle soit politique, soit culturel. Dans une posture culturelle, je dirais qu'il est normal qu'une personne devant ce monde qui se planétarise et dont les valeurs deviennent universel, que chacun se retrouve. Et quand on se retrouve en soi-même. C'est donc une démarche d'introspection qui est apparentée à un repli. Et cette réalité individuelle peut être ramenée à un groupe, à une communauté. En cela, je ne vois rien de négatif. Dans la mesure où j'essaie de savoir qui je suis, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire de ma vie et qu'est-ce que je compte laisser comme héritage. Cette démarche n'est pas en soi critiquable. Elle est certainement critiquable, par contre, sur le plan politique. Lorsqu'on essaie d'instrumentaliser les différences communautaires, je n'aime pas trop le terme ethnique étant assez péjoratif, mais les différences communautaires pour dresser les uns contre les autres. À partir de cet instant, nous ne pouvons pas participer à ce projet qui s'inscrit en dehors de la vision et surtout de l'ambition républicaine. Alors, vous savez bien que cela a été toujours mal perçu lorsqu'il s'agit... Par exemple, on va le dire de manière claire, lorsqu'il s'agit d'un regroupement des Ekans, comme vous les appelez si bien. Alors, qu'est-ce qui peut justifier, on va dire, ce poids politique qui prend le dessus hein, sur les aspects purement culturels? Cela tient, à mon humble avis, d'abord de l'identité de ce peuple et de son histoire conquérante. Nous sommes installés les derniers. Il a fallu qu'on prenne notre place. Et ça ne s'est pas toujours passé par la démocratie, je vais dire, participative, villageoise, ancienne. Quand nous étions démocrates, nous discutons cela par palabre. Parfois, les guerres ont été nécessaires pour que nous puissions nous implanter sur le terrain. Donc, cette idée reste que l'homme Ekan est un homme violent, est un homme barbare, qui s'impose, qui veut dominer, qui veut écraser. Et quand, sur ces aspects qualitatifs, de l'identité culturelle et quand vous ajoutez le nombre qui est relativement important, puisque je l'ai dit en début d'émission, nous nous retrouvons répartis dans 6 pays de la sous-région.
comprenez que même les puissances occidentales ont du mal à accepter qu'il y ait à la fois un président Ekan en Guinée équatoriale, au Gabon, au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mijoter, ce peuple assez frondeur qui n'accepte pas et qui est jaloux de sa liberté? Donc, lorsque nous constatons que certaines associations peuvent être créées sans que ça nous pose problème lorsqu'il s'agit d'associations non Ekan, et que quand nous, nous souhaitons nous regrouper, il y a un problème, cela tient certainement de cette réalité historico-culturelle et politique, à mon humble avis. Vous n'en faites pas un peu trop? Non, je n'en fais pas un peu trop. Je pense que c'est la réalité. C'est un fantasme aujourd'hui qui s'est développé comme une sorte d'image d'épinal. Et tout le travail justement que nous voulons réaliser à présent, à travers la démarche associative, à travers les actions que nous menons, c'est justement de nous présenter. Car souvent, les premières œuvres ethnologiques ont été les œuvres des Occidentaux qui nous ont présentées à travers un prisme colonial, parfois raciste, et ont dit des choses qui n'étaient pas vraies. Mais c'est pourtant cela qui est imprimé désormais dans la mémoire de ceux qui ont lu et de ceux qui pensent que nous sommes ainsi. Il nous appartient donc de nous présenter, de dire, vous voyez, nous sommes les Ekan, voici notre histoire, voici ce que nous avons comme valeur, voici ce que nous ne supportons pas, voici ce que nous supportons, mais nous pouvons vivre ensemble. Les Ekan sont attachés à l'esprit de démocratie, de liberté, de point de vue. À Komamba, le chef suprême d'Engon, comme on le dit souvent, sait qu'il peut être contesté. On le respecte, il a de la sagesse, il a de la bravoure, mais Akomamba accepte qu'au corps de garde, un membre du conseil des sages lui dise, même si tu es le chef, tu dois accepter que ce point de vue, je ne le partage pas, et c'est ainsi que nous avons évolué. C'est un point de vue que nous voulons faire partager, car c'est un point de vue qui s'inscrit dans une perspective de démocratie participative réellement. Voilà donc, puisque Patrick parlait de 1947, cette rencontre qui s'est déroulée avec précision à Mimbin dans la province du Walentem, où on a vu un rassemblement de tous les fils Ekan. Aujourd'hui, nous sommes en 2014 et vous parlez de la promotion de la culture Ekan. Il y a les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui sont pratiquement déjà à nos portées. Est-ce que vous vous êtes adapté pour utiliser à bon escient cet outil pour continuer cette promotion à travers l'éthique? Mais bien sûr, et je vais m'en référer pour répondre à votre question, à l'évolution d'un vœt ou d'un broyum, en disant qu'au départ, il y a eu la parole, il y a eu le verbe initiatique avec Oyono Adangwan. Ensuite, il y a eu la spiritualité, l'écriture, avec ces théories de culture qui ont voulu donc consacrer par écrit et de manière définitive la tradition afin qu'elle ne se perde pas. Et puis, nous avons marqué un pas considérable avec le dessin fixe grâce à la bande dessinée. Et nous envisageons le dessin animé. Et pourquoi pas des jeux vidéo? Et pourquoi pas des CD interactifs pour intéresser les enfants? Et pourquoi pas des films de synthèse? Et pourquoi ne pas espérer un film de grandes productions hollywoodiennes comme Chaka Zulu. Vous voyez, la matière fondamentale demeure. C'est notre substance, c'est notre corpus civilisationnel, mais les formes vont changer dans le temps. Avant la parole et maintenant le numérique, l'électronique. Donc je pense que nous sommes dans cette vision de présenter sous des formes diversifiées notre patrimoine tout en touchant tous les publics, les enfants et ceux qui sont bien entendu plus âgés. On reste dans l'éthique avec bien sûr cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans notre pays. Il s'agit de l'affaire de Michel Ogadanga, conseiller en communication du président Ali Bongo. Il avait écrit sur son mur, sur Internet et publié sur Internet qu'on devait pratiquement bastonner tous les fonds du PDG, qu'on devait pratiquement les enrayer de la carte. Si possible, pourquoi avoir décidé, vous, d'ester en justice Michel Ogadanga et non les Ekan PDGistes concernés? Alors, vous posez là une très bonne question. Et comme elle remonte à peu près de 9 mois... C'était au 20 janvier 2014. Voilà. Il serait bien, afin que le téléspectateur se fasse une meilleure idée de ce dossier, que nous en situons le contexte et les origines. Comme vous l'avez dit, c'est à la suite
la défaite du PDG qui voulait prendre le conseil départemental alors qu'il avait en fait le maximum d'élus, et parce qu'il y a eu une défection dans ses rangs, que l'opposition s'est octroyée la présidence du conseil départemental d'Untel. Et la presse gouvernementale avait titré « Trahison ». Et Michel Ogandaga, qui est le conseiller en communication du président de la République, a estimé sur le mur de son profil Facebook qu'il pouvait se fendre d'un commentaire que nous avons jugé particulièrement indigeste, ignoble, et qui donnait le sentiment qu'il fallait exterminer une partie de la population gabonaise au motif que certains élus ne partageaient pas une certaine démarche, une certaine vision. Ne cachez pas les mots, c'était un poste injurieux et génocidaire. Oui. Cela a été écrit. Oui, extermination, génocidaire, affaire en justice, on va pouvoir trancher. Mais cette information est parue sur la toile. Et nous pouvons comprendre que tous les Gabonais ne soient pas forcément connectés sur Internet. Elle a été néanmoins relayée sur la presse écrite, notamment l'Aube, un hebdomadaire, qui a titré de manière, c'est vrai, très accrocheuse, « Tuez-les tous », en présentant avec une certaine ironie les portraits de ces personnalités du Wellington que l'on pouvait déjà commencer à massacrer, mais surtout à relever les propos extrêmement graves de M. Michel Ogandaga dans cette parution. Dès l'instant où cette presse écrite s'était saisie de l'affaire, et que la presse écrite, mieux que le net, est quand même notoire, et que les hommes politiques, les responsables administratifs lisent beaucoup la presse écrite, nous nous sommes dit qu'il va y avoir forcément une réaction des pouvoirs publics. Elle n'est pas venue. Dès cet instant, nous avons estimé qu'il fallait que nous prenions nos responsabilités. Et précisément le 15 février 2014, nous avons donc convoqué une assemblée générale au cours de laquelle nous avons condamné de manière solennelle et avec vigueur les propos génocidaires de M. Michel Ogandaga. Et nous avons, séance tenante, décidé qu'il nous fallait poursuivre en justice cet individu. Une plainte a donc été introduite au tribunal de première instance de Libreville par voie d'huissier. Et le 14 juillet 2014, donc récemment, nous avons été conviés à participer à une audience technique au cours de laquelle le président de séance, M. Eban, a jugé recevable notre requête et nous a donc demandé de nous acquitter d'une provision afin que nous puissions avoir la date d'audience au cours de laquelle les parties pourront venir s'exprimer avec le soutien de leurs conseils, de leurs avocats. Nous en sommes donc là et je voudrais, avant de répondre vraiment à la question que vous me posez, vous dire que nous remercions TV+, qui a relayé le message sur sa chaîne de télévision, afin que le maximum de Gabonais soit au courant de l'action que nous avons menée. Et j'espère que TV+ nous fera encore le plaisir de venir ici, annoncer aux Gabonais de venir nombreux assister à l'ouverture de ce procès. Pour ce qui est de la poursuite judiciaire, pourquoi nous avons été en justice? On nous a dit effectivement qu'il avait déjà retiré son poste. Pourquoi aller beaucoup plus loin? Nous avons estimé que les propos de Michel Ogandaga étaient condamnés par l'article 88 du Code pénal. Et qu'en ce sens, ils tombaient sous le coup de la loi. Et qu'il nous fallait donc aller jusqu'au bout. Par ailleurs, c'est parfois à travers des petites phrases sibyllines, apparemment banal, que des grandes tragédies africaines peuvent naître. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il a fallu de 8 petites lettres ivoirité pour plonger la Côte d'Ivoire dans ce drame psychologique que nous regrettons. Et quant à ce qui concerne le Rwanda, c'est 3 groupes de mots, tuer les cafards, qui a suffi pour que nous ayons ce génocide que nous déplorons et qui a fait environ 1 million de victimes. Donc, il nous fallait absolument arrêter qu'il y ait des émules. Il nous fallait faire un exemple à travers ce procès. Maintenant, si les concernés n'ont pas voulu réagir, on parlait donc des pédigistes d'une thème qui étaient pourtant les premiers indexés. S'ils n'ont pas voulu réagir, cela regarde la conscience de ces individus. Mais dès l'instant où le poste parlait en termes de province du Wellington, qui est le bastion du judaïsme
et l'antichambre du salafisme, nous nous sommes sentis concernés. Et les mots en isme sont généralement dangereux. Quand vous parlez du judaïsme, on pense tout de suite aux juifs. Et juifs nous renvoie malheureusement toujours au pogrom ou bien à la Shoah. Quant à salafisme, c'est terrorisme, islamisme, extrémisme. Donc toujours des morts en masse. Nous n'avons pas accepté qu'on en associe la province du Wallentin à cette notion de mort massive. Nous nous sommes donc levés et nous avons réagi. Alors justement, c'est une situation qui a fait couler évidemment beaucoup d'encre et de salive. Il y a eu le mutisme des pédégistes du Wallentin de manière globale, mais il y a surtout eu le mutisme des autorités politico-judiciaires du pays. Est-ce que cela est justifiable? Et pourquoi le procureur ne s'est pas peut-être auto-saisi de cette affaire, puisqu'elle est la garante un peu de la loi dans la cité? Vous me posez là une très bonne question. Elle est pertinente. Je suis malheureusement dans l'incapacité de pouvoir répondre à leur place, car je ne suis pas, pour l'heure, les pouvoirs publics. Effectivement, ce sont ces institutions qui sont les garantes de la cohésion nationale et de la paix sociale. Elles auraient dû, à un certain moment, réagir comme nous le supposions. Il se trouve qu'elles ont peut-être estimé que ce n'était pas une question importante. Donc, le peuple appréciera. Pour notre part, nous avons estimé que c'était notre devoir d'agir ainsi et nous l'avons fait. Quant au procureur, nous avons tenté de rencontrer cette dame à plusieurs reprises. Elle n'a pas délai de nous accorder une interview, un entretien, car elle aurait dû normalement s'autosaisir. Nous n'avons même pas à faire cette démarche. Peut-être était-elle préoccupée par les questions de mauvaises mœurs, de prostitution, ou alors par des questions de fausse monnaie, je n'en sais rien. Quand vous aurez l'occasion de les rencontrer, il sera toujours temps de leur poser la question. Comptez sur nous. Et cette affaire, quand on le regarde au fond, qu'est-ce que ça vous inspire en fait? Est-ce que notre pays est pratiquement au bord du gouffre? Parce que quand vous prenez les exemples de la Côte d'Ivoire et du Rwanda, on sait comment ça s'est terminé, comment les uns et les autres ont pu régler les problèmes en Côte d'Ivoire et au Rwanda. Pensez-vous que le Gabon, à travers ses déclarations, puisse véritablement être à côté de cette étincelle-là qui pourrait faire déclencher ces morts en masse dont on vous assimilait tantôt sur le poste? Le Gabon compte une mosaïque de communautés, chacune ayant son histoire, sa façon de voir le monde, sa façon d'apprécier les choses. Donc, nous sommes différents, il faut accepter cette différence, d'autant qu'elle peut être enrichissante, et nous partageons une case commune, le Gabon. Il est donc vraiment important que nous organisons des espaces de vie où nous allons pouvoir partager un bien-être social, républicain, qui ne puisse pas nous conduire vers les catastrophes. Ce bien-être suppose de la part de chacun la vigilance. La vigilance, la prudence. Nous savons pertinemment que dès l'instant où l'on baisse sa garde, comme un boxeur, le coup peut arriver. Et souvent, on est surpris de se retrouver KO tout de suite. Il nous faut absolument comprendre que le maintien de la cohésion sociale et de la paix nationale est un combat de tous les instants. Et qu'à aucun moment, il faut considérer cela comme acquis. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé que, devant cette phrase de Michel Ogandaga, il nous fallait absolument apporter une riposte adéquate. À quand la prochaine audience? Nous allons attendre que les services du parquet se prononcent. Et dès que nous aurons donc la date, nous reviendrons peut-être sur ce plateau pour demander aux Gabonais d'assister nombreux à l'ouverture du procès. Avez-vous déjà lu l'ouvrage de Pierre Payan intitulé « Nouvelles affaires africaines, mensonges et pillages au Gabon » ? Oui, j'ai eu la chance de lire ce livre. La chance ? Oui, parce que je doute que beaucoup de Gabonais aient la possibilité de le trouver en librairie ou à la maison de la presse ou dans les différents points de presse. Et comme j'ai lu ce livre, vous me permettrez peut-être d'en faire l'économie aux téléspectateurs qui nous écoutent. Très, très rapidement, parce que le temps qui nous est imparti s'égrène petit à petit. Oui, trois points dans ce livre qui sont importants. Il y a
la démocratie dont fait état Pierre Payan à travers ses différentes lignes. Ce livre démontre que nous vivons une démocratie en trompe-l'œil, une pseudo-démocratie où la Constitution établit un mandat à vie, où les instruments et les mécanismes institutionnels qui participent du processus électoral sont à la solde d'un pouvoir qui rend totalement l'alternance impossible. La liberté d'expression de la presse est muselée, la liberté de manifester est impossible aujourd'hui au Gabon. Donc, le Gabon ne présente pas, pour l'instant, les standards d'un état de droit. Et Pierre Payan, dans ce livre, le relève. Il parle aussi de la gouvernance. Il dit que malgré cette économie qui paraît florissante, car nous restons un pays pétrolier, le Gabon est victime de la gabégie, de la corruption, de l'enrichissement illicite qui se poursuit, malheureusement, malgré les discours. Et enfin, sur un troisième point, Pierre Payan traite de la question des crimes rituels, donc des questions de société, de cette sordide de fétichisme politique, de vouloir se maintenir au pouvoir absolument en posant des actes de barbarie qui endeuillent tant de familles gabonaises. Et il revient, car en 1983, il avait déjà sorti Affaire africaine, il revient sur l'adoption du président qui, à l'époque, quand il est adopté, s'appelait Alain Bernard Bongo et qui aujourd'hui s'appelle Ali Bongo Ondimba. Il revient là-dessus. Voilà, grosso modo, très rapidement, comme il me l'a demandé, le résumé qu'on peut faire du livre « Nouvelles africaines » de Pierre Payan. Justement, vous parlez de l'adoption d'Alain Bernard Bongo. Avez-vous l'intime conviction, malgré les sorties fracassantes, tapageuses de certaines familles qui ont pourtant joué avec le jeune, qui ont témoigné qu'il était bel et bien le fils d'Omar Bongo et de Joséphine Kama, est-ce que vous pensez réellement que le problème de Alain se pose à ce niveau-là ou le problème d'Alain devenu Ali Bongo se pose conformément à l'article 18 de la Constitution gabonaise? Alors, je ne suis pas journaliste d'investigation comme M. Pierre Payan, mais je suis informaticien, je vous l'ai dit, et donc les informaticiens ont pour métier aussi d'analyser, de traiter l'information. Il faut peut-être édifier les téléspectateurs qui nous écoutent en disant qu'il existe une rumeur persistante et lancinante de plus de 30 ans qui empoisonne le climat et la vie politique gabonaise. Cette rumeur concerne l'adoption de Alain Bernard Bongo, pour prendre son nom d'origine. L'information, pour la première fois, a été rendue publique, a été vantée par Pierre Payan avec Affaires africaines. Ensuite, la deuxième fois que cette information a été communiquée sur la place publique, c'était lors de la conférence nationale qui s'est tenue du 29 mars au 19 avril à Libreville et où Joseph Rendjambé, père son âme, à l'époque leader charismatique de l'opposition, aurait eu des échanges vifs avec Ali Bongo, ce qui nous a été rapporté. Et dans ces échanges, il aurait clairement dit que Ali Bongo est d'origine nigériane et qu'il est un Gabonais d'adoption. La troisième fois que cet élément de rumeur apparaît à nouveau sur le débat public au Gabon, c'est en juillet 2009, lorsque Luc Bongonossi, qui est président du Morena et qui fut candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2009, a donc fait un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour demander l'invalidation de la candidature d'Ali Bongo au motif que son dossier présentait un faux acte de naissance. Le quatrième acte où à nouveau la rumeur a été mise sur la table, c'est lorsque le même Luc Bongonossi, le 23 mai 2011, a donc porté plainte auprès du procureur de la République pour usage de faux, revenant avec moult détails sur l'acte de naissance du chef de l'État. Et pour l'année 2014, nous avons eu, le 12 juin
2014 précisément, le verbe de Ngomo, qui est un bimensuel gabonais, dirigé par le journaliste blogueur Telesphore Wamon Ngomo, qui a écopé d'une sanction maximale de 6 mois de suspension à paraître. Du Conseil national de la communication, la précision à l'État. Tout à fait, et ce Conseil national de la communication a estimé qu'il fallait arrêter ce débat autour de l'acte de naissance et la nationalité du chef de l'État. Et le directeur de cette publication a eu le tort de vouloir dire que ce débat avait pourtant son sens républicain. Et voilà que, comble d'ironie historique, ce que l'on voulait donc étouffer, éteindre sur la place nationale, ressurgit de manière fort éclatante sur le plan international, rendant ainsi le débat planétaire. Alors, après avoir dressé de façon aussi ramassée l'histoire schématique de cette rumeur de plus de 30 ans, il est temps que les Gabonais n'aient plus à subir, à souffrir de cette rumeur qui empoisonne la vie politique. Et il nous semble, à notre humble avis, que la seule personne capable de mettre un terme définitif à cette controverse, c'est bien Ali Bongo Ondimba lui-même. Pourquoi ? Je vais m'en expliquer. Mais parce qu'il s'agit de lui, il s'agit de son acte de naissance. Il est dit que l'acte qu'il a présenté est faux. Vous l'avez vu ? L'acte circule sur le net. J'ai eu l'occasion d'en voir un fac-similé, et certainement pas l'original, que le maire, monsieur Akasaga Okinda, a signé. Mais si c'est de l'acte de naissance dont il est question, le président de la République doit, pour couper court à la rumeur, tout simplement venir à la télévision exhiber cet acte de naissance ou même le faire publier dans les différents journaux de la place. Il peut prendre en cela l'exemple du président américain qui a été d'ailleurs lui aussi victime d'une cabale de ses adversaires républicains. Barack Hussein Obama, lorsque ils ont prétendu, ses détracteurs, qu'il n'était pas né dans un État de la Fédération des États-Unis. Alors, on vous a vu avec cet extrait d'acte de naissance de Barack Obama. Pourquoi Barack Obama et pas votre président ? Mais parce que vous pouvez présenter cette copie-là. Mais bien sûr. Bien sûr. Nous voulons simplement dire que quand Barack Obama s'est trouvé dans l'obligation de justifier de sa nationalité américaine, car il avait l'intention de se reconduire à la tête de l'État, et qu'on lui disait qu'il était né non pas aux États-Unis mais au Kenya, il a tout simplement posé un acte limpide, celui de brandir son certificat de naissance. Et quand vous regardez ce certificat, vous voyez bien que figure la ville de naissance de Barack Obama, Honolulu, l'île, car Hawaï, l'État, est un archipel, donc l'île de Oahu, et bien entendu l'État de Hawaï, qui est un État de la Fédération des États-Unis. Et nous sommes là sur le territoire américain. Et nous, citoyens gabonais aujourd'hui, pouvons disposer d'un fac-similé de cet acte de naissance, parce que le président de la République américaine a été obligé de présenter cela. Bien entendu, on le retrouve sur le net. Voilà. Donc, mais si le président Ali Bongo n'arrive pas à présenter l'original de son acte de naissance, pensez-vous véritablement qu'il doit démissionner, puisque vous dites que les Gabonais en ont assez de ce débat qui dure aujourd'hui 30 ans? Nous pensons, et là c'est un avis que je partage avec vous, je ne suis pas loin de penser que beaucoup de Gabonais le pensent aussi. Nous pensons que si Ali Bongo est né, comme cela est prétendu dans l'acte de naissance qui a été présenté pour sa candidature à l'élection présidentielle, s'il est né à Brazzaville en 1959, cela veut dire qu'il est en mesure de nous présenter une pièce d'état civil, son acte de naissance, comme le montre par exemple ce fac-similé. Vous avez là devant vous l'exemple d'un acte de naissance qui a été établi en 1956, soit 3 ans avant celui d'Ali Bongo en 1959. Donc si on peut retrouver un acte de naissance de 1956,
établi sur la colonisation, on peut forcément retrouver celui de 1959. Vous maintenez le document, on va lire pour les téléspectateurs ce qui est mentionné justement sur cet acte de naissance. Tout en haut du document, on peut lire « Afrique équatoriale française, territoire du Gabon, région du Wolentem, district de Mizik, centre d'état civil de Doumanzou ». Ensuite, il y a le volet 2 et par la suite, acte de naissance. Et on peut également y lire « Volet à remettre à celui des parents investis de la puissance paternelle ». Voilà, c'est simplement un acte de naissance de cette nature-là que nous attendons aujourd'hui que le président de la République exhibe à la face non seulement des Gabonais qui aujourd'hui exigent cela, car ça devient pour le chef de l'État un devoir de vérité, car on ne peut pas gouverner sur la base d'un mensonge, et également à la face du monde entier, un peu comme l'a fait Barack Obama. Vous soupçonnez qu'il ne l'est pas, cet acte de naissance ? Lequel ? Le vrai. Alors, faisons l'analyse suivante. Si le président de la République est à même de présenter au peuple gabonais cet acte de naissance original estampillé Afrique équatoriale française, alors ça veut dire que l'acte existe. S'il existe, il faut donc le présenter à la face du monde. S'il ne le présente pas, et c'est une hypothèse que nous pouvons retenir, cela veut dire que l'acte de naissance n'existe pas, tout simplement, et on ne peut pas le présenter. Alors, dans ce cas de figure, il faut dire que, à défaut d'être un Gabonais de naissance, car au Gabon, on peut être Gabonais de naissance par ses parents, ou on peut être un Gabonais d'adoption. Et dans le second cas ? Dans le second cas, Ali Ben Bongo serait un Gabonais d'adoption en l'absence d'une exhibition de son acte de naissance original Afrique équatoriale française. Conséquence ? La conséquence, c'est l'article 10 de la Constitution qui tombe sous le coup, bien entendu. Et nous considérons que le Gabon est une république. J'aime toujours à le penser, et je ne veux pas en démordre. Et une république qui a une constitution qui est sa loi fondamentale. Tout citoyen, quel qu'il soit, journaliste, informaticien ou président de la République, est tenu de respecter les lois de son pays. Nous disons que cette constitution et le code de la nationalité précise les dispositions disent que pour être gabonais, pour avoir la nationalité gabonaise, pour jouir de la nationalité gabonaise, il faut être né de père ou de mère gabonais, premier cas de figure, ou alors être naturalisé, être adopté. Aussi les deux cas de figure. Et la Constitution régit également la fonction présidentielle, puisqu'elle dit comment est-ce qu'il faut y accéder, comment est-ce qu'il faut gérer la fonction présidentielle et comment est-ce qu'il faut en sortir. Donc si un Gabonais veut accéder à la fonction présidentielle, il doit respecter ces différents codes. Ali Bongo prétend qu'il est Gabonais de naissance, soit qu'il présente son acte de naissance original, estampillé, Afrique équatoriale française, et le débat sera clos définitivement, comme l'a fait Barack Obama. S'il ne peut pas le faire, nous sommes en droit de penser, et nous sommes fondés de penser, qu'il est Gabonais d'adoption, car c'est la seule manière d'être à nouveau Gabonais. Mais attention, attention, c'est la famille qui est garante de la sécurité. Il y a deux panthères. Je me permettrai de ne pas commenter. Ce n'est pas un commentaire qu'on vous demande. Mais je me permettrai de ne pas commenter ces allégations. Je laisse à chacun le soin d'apprécier les symboles de la République. Et il y a quand même, vous parlez d'un revers de la main, les témoignages de trois familles, pas les moindres, famille Bongo, famille Léomba, famille Richard Gemabekal, qui, aux yeux des Gabonais, ont témoigné de l'origine d'Ali Bongo. Est-ce que vous comprenez pourquoi le gouvernement a finalement porté plainte et non ces familles-là, ni la maman qui vit encore, Joséphine Kama, aujourd'hui, Patience Dabani? Écoutez, dans votre question, je relève deux points. Un premier point sur les interventions et un deuxième point sur la plainte que le gouvernement gabonais vient donc de formuler contre le journaliste Pierre Payan. S'agissant donc du premier point, je dis que je comprends la démarche de solidarité que ces différentes familles ont pu avoir à l'endroit donc de la famille Bongo et plus particulièrement
d'Ali Bongo Ondimba. Je pense qu'il reste dans le registre de l'émotion, du familial, du social, voire même du politique. Mais il s'agit là d'une question d'une toute autre nature. Il s'agit d'une question juridique, une question de droit. Chaque individu à sa naissance reçoit comme premier acte civil son acte de naissance. Ça tombe sous le coup. Donc, que ces familles viennent dire que Ali Bongo est bien gabonais parce qu'ils ont grandi avec lui, soit. Nous voulons simplement qu'elles aident Ali Bongo à venir nous présenter cet acte de naissance original estampillé Afrique équatoriale française. Vous savez, quand Barack Obama s'est retrouvé, on va dire, acculé par ses adversaires, tout président de la République qu'il était, il n'a pas demandé que sa famille blanche vienne le soutenir à la télévision. Il n'a pas demandé qu'il y ait des marches de soutien. Il n'a pas demandé que les démocrates portent plainte. Non. Il a posé un acte bien plus simple d'exhibition de son acte de naissance que je vous ai présenté. Donc, je ne peux pas me contenter, en tant que citoyen gabonais, soucieux de l'avenir de mon pays, des différentes interventions télévisées, des photos qui peuvent d'ailleurs être retouchées avec la technologie, de ce qui a été dit. Je ne peux pas m'en contenter et je reste sur la position que les faits doivent être têtus et nous voulons un fait, c'est une pièce qui atteste effectivement de la naissance d'Ali Bongo Ondimba à Brazzaville sous l'époque coloniale. Patrick, un dernier mot avant... Un dernier mot, c'est simplement le mot de notre invité à l'endroit des compatriotes qui en font véritablement des choux gras, aussi bien sur la toile que dans d'autres réseaux. Ils ont bien raison de s'exprimer. C'est ainsi qu'un peuple s'empare de son destin quand il s'exprime, quand il agit. Mais je voudrais avoir, pour terminer donc cette émission, une pensée. Je pense au capitaine Thomas Sankara, un homme pour qui j'ai la plus grande admiration, la plus grande estime. Je pense à l'espoir qu'il a suscité au milieu des années 80. Je pense à cet espoir assassiné un jour du 15 octobre 1987. Mais je pense aussi à l'espoir ressuscité, à l'espoir ravivé, à cet espoir qui ne concerne pas que les hommes intègres du Burkina Faso, mais qui concerne toute l'Afrique. Et c'est la jeunesse africaine du Burkina Faso, donc les jeunes Burkinabés qui ont rallumé cette flamme. Et je ne doute pas un seul instant désormais que cette jeunesse burkinabé servira de modèle, servira de référence à toute la jeunesse d'Afrique, et particulièrement celle du Gabon. Puisque vous êtes une référence pour la jeunesse gabonaise, c'est la raison pour laquelle vous étiez donc face à nous à cette émission pour qu'on puisse recueillir vos impressions sur pratiquement tous les dossiers qu'on a abordés durant donc ce face à nous. Il nous reste tout simplement à vous dire merci d'avoir accepté notre invitation et on espère tout simplement pouvoir vous revoir assis face à nous pour répondre à d'autres questions, à d'autres circonstances. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir regardés. C'est avec plaisir que vous aussi, vous pourrez vous asseoir là face à nous pour répondre à nos questions. Il suffit tout simplement d'appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Entre-temps, nous, on prend congé de vous et on vous retrouve pour la prochaine émission. Au revoir.